slowly. Bonjour, Marie-Christine Bélanger pour Monde Marie-Belle. Avec ce projet, j'aide les personnes hypersensibles et empathes à s'accepter, à s'aimer et à développer des stratégies pour vivre en alignement corps, cœur, esprit. Donc, cette capsule va être consacrée encore une fois à l'anxiété. J'avais eu des demandes dans les commentaires de certaines personnes qui aimeraient que je leur parle de certains trucs pour apprivoiser et gérer l'anxiété qui fait partie de la vie des personnes hypersensibles. Donc, je vous donne un truc super facile que j'adore, que je fais dans des périodes où il y a beaucoup d'anxiété qui est présente dans ma vie. Mais avant, j'avais envie de vous partager une autre facette de ma vie qui fait que j'ai des outils en grand nombre pour gérer les périodes d'anxiété. Donc, c'était certains de mes livres préférés dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Donc, je commence. Le premier livre, écrit par Pema Chodron, « When things fall apart, heart advice for difficult times ». Donc, pour ceux qui ne lisent pas en anglais, ben, je lis beaucoup en anglais. Donc, j'en ai quelques-uns en français, puis d'autres en anglais. Là, je vous mélange tout ça. Pema Chodron est une maître bouddhiste qui écrit beaucoup sur la méditation. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, bon, évidemment, quand on lit « When things fall apart », quand tout s'écroule finalement. Donc, c'est sûr que j'ai acheté ce livre-là dans une période un peu plus difficile de ma vie. Cette grande dame-là nous explique, c'est sûr qu'il y a beaucoup de concepts bouddhistes, mais elle nous explique comment on peut devenir ami avec des émotions inconfortables et se placer en observateur. Parce que souvent, on a l'idée de dire « Ah, je vais atteindre un niveau où je vais être comme stable, confortable », mais dans le fond, il y a tellement de changements dans la vie qu'on devrait quand même essayer de développer une habileté. À travers la méditation, on fait beaucoup ça parce qu'on observe nos pensées puis nos émotions. Donc, elle nous guide à travers ce livre-là à justement être capable d'être dans l'inconfort, être confortable dans l'inconfort, puis dans tout ce qui est changement. Donc, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là pour ces trucs-là que ça m'a appris à développer. Donc, le deuxième livre, ben, c'est un des nombreux livres écrits par Nicole Bordelot. Celui-là s'appelle « Vivre, c'est guérir ». Mais Nicole Bordelot a vraiment écrit plusieurs livres. Elle s'est beaucoup inspirée dans son écriture de livres sur sa propre histoire personnelle. Nicole Bordelot, c'est une maître yoga, est devenue conférencière avec les années, mais elle a fait un grand changement de vie à cause d'une maladie. Elle avait développé l'hépatite C. Dans ses livres, elle partage beaucoup à la fois son expérience personnelle qui a fait qu'elle a développé toute une philosophie de vie. Elle parle beaucoup de comment on peut développer la capacité d'être dans le moment présent avec beaucoup de douceur. C'est ça. Donc, c'est sûr que c'est des concepts qui finissent par revenir, mais quand on fait de l'anxiété, souvent on a tendance à se projeter dans le futur énormément. Donc, de lire des livres comme ça, pour moi, de personnes quand même qui ont eu des périodes difficiles, parce que Nicole Bordelot ose parler de ces moments difficiles où elle avait des peurs, des doutes, mais comment elle a pu développer des trucs. Il y a beaucoup de choses qui vont peut-être s'appliquer à vous si vous lisez ce livre-là. En tout cas, je vous le suggère. Je vous dirais aussi que Nicole Bordelot a développé énormément de matériel audio qui peut être acheté, mis sur les téléphones ou de différentes façons. Beaucoup de méditations guidées. Qui m'ont beaucoup aidée puis qui m'aident encore aussi. Le prochain livre, écrit par Gabrielle Bernstein, mon anglais, donc « The Universe Has Your Back ». Ce livre-là, je l'ai acheté dans une période un petit peu trouble aussi. J'étais en démarrage d'entreprise depuis peu. Et puis, j'ai eu, c'est ça, un moment difficile avec beaucoup de doutes. Puis,
ce livre-là, je dirais, nous connecte sur toute une facette de la spiritualité. Je vous parle pas de religion ici. Vous avez chacun vos croyances, vos convictions, puis c'est correct aussi. Moi, je vous partage les miennes. Donc, j'ai avec le temps développé une grande spiritualité parce que personnellement, quand il y a des grandes périodes de noirceur, où on se pose beaucoup de questions, puis on ne trouve pas nécessairement les réponses, bien, ce livre-là m'a beaucoup aidé à faire confiance. Surtout que comme empathe, on est capable de se connecter sur nos intuitions, nos visions, notre ressenti pour avoir les signes de la vie, dans le fond, pour nous guider. Donc, je pense que Gabrielle Bernstein, dans ce livre-là, nous donne différentes façons de se reconnecter sur notre spiritualité, puis de vraiment faire confiance que, même si on ne comprend pas toujours les étapes qu'on traverse, ben chaque étape est importante dans le grand plan de notre vie, finalement. Donc, ça aide beaucoup pour le lâcher prise, mais dans la confiance. Un autre de mes livres préférés, un autre livre en anglais, Making Life Easy, écrit par Dr. Christian Northrop. Donc, cette femme-là a écrit énormément de livres pour les femmes. À la base, c'est une femme gynécologue, une Américaine, qui a pris tout un... C'est ça, elle a commencé ses livres beaucoup sur la santé des femmes. Puis elle a développé avec les années, c'est une empathe, donc elle en parle dans ce livre-là d'ailleurs. Elle a développé à travers les années une plus grande spiritualité. Donc dans ce livre-là, c'est un mélange justement, je vais juste prendre des notes parce qu'il y a vraiment des éléments importants que je veux vous mentionner. Donc il y a différents chapitres dans ce livre-là. Elle parle, bon, disons, comment travailler sur des sentiments qui nous habitent très souvent, la culpabilité, la honte. Il y a tout un chapitre sur la santé physique aussi, santé digestive qui est très importante au niveau du système nerveux quand on fait de l'anxiété. Elle développe aussi des chapitres sur la spiritualité, un autre chapitre sur comment on peut travailler notre énergie sexuelle qui est reliée à l'énergie créatrice qui est très très importante. Et puis il y a tout un chapitre aussi qui m'a beaucoup parlé sur les vampires d'énergie. Comme empathe et hypersensible, on attire souvent des personnes énergivores, donc vampires d'énergie, des manipulateurs, assez souvent aussi des personnes narcissiques. Et puis, c'est ça, dans ce livre-là, j'ai découvert des ressources importantes parce qu'elle donne beaucoup de ressources à la fin aussi. Donc, si vous vivez des problématiques comme ça aussi, j'avais découvert l'auteur Judith Orloff, entre autres, qui a écrit une Bible, donc ma Bible. Je vous en parle dans d'autres vidéos, la Bible des empathes, le guide de survie. Puis j'ai découvert aussi l'auteur Melanie Tonia Evans, une Australienne, qui a développé toute une approche aussi de guérison pour les personnes qui ont souffert ou qui souffrent encore de traumatismes reliés à une relation avec un narcissique. Je vous ferai un autre chapitre, un autre capsule vidéo sur ça éventuellement, mais bon, c'est des sujets que je vous mentionne pour l'instant. Évidemment, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous ces noms-là et ces références dans la barre d'infos à la fin de la vidéo. Mon prochain livre, justement, j'ai mentionné l'auteur Judith Orloff, donc c'est un autre de ses livres, The Power of Surrender, donc le pouvoir du lâcher prise. Je ne l'ai même pas encore fini. J'ai toujours 2-3 livres que je lis en même temps. Oui, le fameux lâcher prise, quand on fait beaucoup d'anxiété, comme je vous disais tout à l'heure, on se projette, on se questionne, on se fait des scénarios, ici et ça. Donc c'est ça, c'est vraiment comment lâcher prise, mais dans différentes facettes de la vie, par rapport au pouvoir et à l'argent, dans nos relations. Ouais, c'est ça, vraiment sa façon de l'expliquer m'a vraiment beaucoup parlé. Et puis je pense que c'est une discipline qu'on peut développer avec le temps, quand on est hypersensible et empathe, se rappeler de lâcher prise. Donc ce livre-là m'a vraiment plu, alors je vous le suggère. Ensuite, c'est du même auteur dans le fond, Eckhart Tolle. Lui a vraiment développé, il est assez connu aussi sur un livre qui a été lu par plusieurs personnes aussi, Le pouvoir du moment présent.
Donc c'est ça, j'ai lu le premier livre, Le pouvoir du moment présent. Il a développé, j'en ai trop ici, il a développé comme un petit guide, dans le fond, qui est un peu plus résumé. Donc, pour mettre en pratique tout ce qu'il a développé dans son premier livre sur le moment présent. Et puis, le dernier, qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui, L'art du calme intérieur, par le même auteur. C'est vraiment un petit livre, là, il n'est pas épais du tout. J'avais acheté ça à l'aéroport avant de prendre l'avion. Magnifique comme lecture de voyage. Ça nous ramène dans le moment présent. Donc, c'était ça pour mes livres. Comme je vous dis, je vais vous mettre toutes les références dans la barre d'infos. Si vous avez des suggestions de livres, je suis vraiment curieuse, là, parce que moi, j'adore la lecture, donc n'hésitez pas aussi éventuellement dans les commentaires. Je vous avais parlé d'un petit truc secret que j'utilise parfois quand je fais beaucoup d'anxiété. C'est un mudra. Les mudras, c'est pour les gens qui font pas de yoga. c'est des positions, différentes positions qu'on prend avec les mains, avec les doigts. Et puis, dépendamment de la position des doigts, ça va travailler différentes choses dans le corps. On se met seulement dans une position, bon, assise, peut-être comme si on voulait méditer. Puis on se concentre sur la respiration avec la position des mudras. Je vous suggère vraiment d'essayer. C'est sûr qu'il n'y a pas de temps précis, mais c'est vraiment de vous mettre dans un état plus méditatif, de vous concentrer sur la respiration, puis essayer quelques minutes avec cette position-là des doigts pour juste ressentir un certain ralentissement de vos pensées. Concentrez-vous sur la respiration, puis je vous dis juste l'effet du positionnement des doigts, c'est vraiment fascinant. Vous pouvez faire ça un petit peu n'importe quand, n'importe où. Vous êtes dans le métro, dans une réunion, même en dessous de la table. Vous faites votre mudra, puis il n'y a personne qui va se rendre compte de ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà, c'était des petits trucs, des petites suggestions, des petits partages sur des choses qui m'aident beaucoup pour apprivoiser, puis accepter l'anxiété qui fait partie de la vie de plusieurs personnes, mais qui est vraiment plus présente, je dirais, chez les personnes hypersensibles et empathes. Voilà, donc je vous invite à partager cette vidéo-là, à vous abonner à la chaîne, et puis à revenir très bientôt pour une prochaine capsule. Prenez soin de vous! Bye!